On va faire un petit tour des régies du studio. Vous allez découvrir l'envers du décor dans cette petite visite qui est un peu spéciale. Salut tout le monde, c'est le 14e et dernier épisode avant la grande finale de Flashback. Et oui, on a nos deux grands finalistes pour la finale à Paris le samedi 28 mai prochain. Ce sera donc Liverpool-Real Madrid au terme d'une saison vraiment, vraiment, vraiment folle de Ligue des Champions cette année. Mais on va tout de suite revenir sur ces deux demi-finales et débriefer les deux rencontres avec nos commentateurs et consultants. Contrairement à la semaine dernière, honneur à Liverpool-Villarreal pour le débrief de ces demi-finales. Villarreal qui aura fait vibrer vraiment toute la planète foot pendant 45 minutes avant finalement de s'écrouler en deuxième période sous les coups des joueurs de Liverpool. Mais bravo, chapeau à Villarreal pour le panache de cette première mi-temps. On va tout de suite débriefer la rencontre avec nos commentateurs du soir, Vincenzo Churro et Thomas Châtel. Je suis presque sûr qu'ils sont dans l'avion entre Villarreal et Bruxelles pour rentrer en Belgique. Et on va tout de suite écouter leurs impressions sur cette rencontre assez folle. Voilà Thomas. Voilà. On est dans l'avion, voilà, on va rentrer sur Bruxelles. On voulait rapidement débriefer quand même cette demi-finale retour entre Villarreal et Liverpool. C'est vrai qu'on y a cru à cette remontada à la mi-temps. Thomas, on se disait pourquoi pas, les indicateurs étaient là. Oui, c'est vrai que on a vu la physionomie de ce début de match assez incroyable. Et puis on a surtout vu les visages sur le terrain, sur le banc, avec les leaders, hein, Van Dijk, Klopp, le visage de ce Liverpool qui commençait à pâlir un petit peu. Et on s'est dit pourquoi pas, en sachant qu'après la mi-temps, des choses allaient encore se passer. Après, bravo à cette équipe de Villarreal, hein, pour toute la campagne européenne, vainqueur de l'Europa League, on ne les attendait pas au rendez-vous quand même jusqu'en demi-finale. Bravo à cette ville aussi, bravo pour toutes ces émotions qui nous ont procuré, comme quoi il faut continuer à ce qu'il y ait ces petites équipes qui arrivent à bousculer les grandes d'Europe quand même. Hein. Évidemment, et comme quoi cette formule de la Ligue des Champions à élimination directe nous donne encore des matchs chaque saison incroyables à vivre, avec en effet des surprises, avec la possibilité d'équipes comme Villarreal. Quand on travaille convenablement et quand on a une philosophie comme la Unai Emery, d'aller titiller n'importe qui, la Juve d'abord, le Bayern ensuite, et puis finalement quand même Liverpool. Ouais, Liverpool qui a présenté quand même quelques fragilités, quelques failles. Bon, on ne sait pas encore si ce sera City ou le Real Madrid, quoi qu'il arrive. Voilà, ce sera une magnifique finale avec Liverpool comme potentiel favori. Là aussi, mais je sais pas, ça risque peut-être d'être plus ouvert qu'on ne le croit. En tout cas, Unai Emery aura donné de la matière aux prochains coachs qui affronteront cette équipe de Liverpool, parce que cette première mi-temps-là, cette difficulté qui a été mise devant Liverpool, elle n'avait pas encore été vue. Et ça, c'est hyper intéressant, évidemment, pour les prochains coachs qui l'affronteront. Voilà, Thomas, on va bientôt décoller, donc on te laisse. Ciao, ciao. Ciao, Thomas. Direction Madrid et le Santiago Bernabéu, on a encore eu droit à une soirée absolument dingue. La magie du Santiago Bernabéu a encore opéré pour sortir le Real d'une situation totalement désespérée. 88 secondes pour marquer deux buts en toute fin de match, s'offrir des prolongations et puis accéder à la 17e finale de la C1 de l'histoire du club madrilène pour tenter de capturer une 14e coupe. Et oui, les chiffres sont dingues, mais on va tout de suite filer au stade, retrouver Marc Delire et Benoît Tens qui nous ont laissé un petit débrief de la rencontre à chaud, encore dans l'ambiance de Santiago Bernabéu. On regarde ça. Oui Thomas, débriefing, regardez, ils sont encore derrière nous là, ils viennent de faire des de l'eau en larmes, le match vient de se terminer, Benoît, ils sont morts crevés et pourtant il a communié avec le public. Incroyable. Ouais, c'est fantastique. Personne n'y croyait, et surtout pas Guardiola. Mais quand on s'appelle Guardiola, tout peut arriver dans le football, ça c'est clair aujourd'hui, Marc. On a vu, c'est indescriptible. On voyait, Thomas, avant le match, il y avait déjà des scènes incroyables dans la ville en attendant le bus des joueurs du Real. Il faut bien dire que la première mi-temps n'a pas été extraordinaire du Real. Et puis, il y a eu ces 88 secondes complètement dingues. C'est vrai, on parlait du terme irrationnel. Il n'y a pas d'autre explication. Non, c'est complètement irrationnel. On avait oublié tous les arrêts de Courtois. On avait oublié toutes les occasions. Et puis, au bout du compte, on se dit c'est terminé. On était en train de faire nos conclusions. Et puis, voilà que dans le football, ben Guardiola, en plus, s'est senti orphelin. Il n'y avait plus d'attaquants, il n'y avait plus personne. Et puis après, ben, le football a fait que tout est possible. Et ce qu'on a vu cette année, c'est complètement, ça me marquera à vie.
Oui, c'est vrai que le Real Madrid, cette saison a été incroyable. Thibaut Courtois aussi a fait un superbe match. Et puis on peut d'ores et déjà dire peut-être qu'on connaît maintenant vraiment le nouveau Ballon d'Or, quelle que soit l'issue de la finale, à moins que Sadio Mané, on ne sait jamais. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Un petit clin d'œil aussi à Eden Hazard, qui sera quand même sur la feuille aussi des vainqueurs. Bon ben voilà, ils sont rentrés les joueurs. Ok, nous aussi Thomas, excellente fin de soirée. Ciao Bello. Ciao. Ah, c'était vraiment une rencontre exceptionnelle, vraiment. Et comment ne pas revenir encore un peu plus longuement sur la performance de Thibaut Courtois, élu homme du match avec ses 8 arrêts, sans compter déjà ce qu'il avait fait au match aller dans les tours précédents. Il est vraiment, vraiment décisif cette saison. Bon, il ne jouera pas pour le Ballon d'Or avec Benzema parce que c'est très difficile de nommer un gardien, mais il pourrait bien être dans le top 5 pour sa saison. Et ça fait plaisir de voir le meilleur Belge en Ligue des Champions en finale de cette Ligue des Champions, justement. Il y aura donc deux Belges, je vous le rappelle, Divock Origi face à Thibaut Courtois et peut-être Eden Hazard, qu'on a vu lors des célébrations en fin de match et qui sera peut-être repris dans le groupe du Real Madrid pour participer à cette finale de Ligue des Champions. Bon, j'ai presque plus besoin de vous l'annoncer. Place maintenant à la traditionnelle visite guidée. Et pour cette semaine, on vous a réservé une visite guidée un petit peu surprise, vous allez voir. Salut tout le monde, et oui, aujourd'hui c'est moi qui m'y colle. On va faire un petit tour dans les backstage, les coulisses du multi-live de la Ligue des Champions chez Proximus. On va faire un petit tour des régies, du studio. Vous allez découvrir l'envers du décor dans cette petite visite qui est un peu spéciale. Évidemment, voici la régie, le cœur de l'émission, avec Jonas Loréal, Camille Lascrit et Denis aux caméras. Et pour le S, gère, vas-y, roule. Tous les préparatifs d'avant antenne. Pourquoi? On vérifie notamment l'arrivée des duplex, vas-y, et des autres images. Et ça, c'est la régie. On retrouve nos opérateurs LSM et notre opérateur Delta. C'est ici que vont se faire toutes les analyses tantôt, mais on y reviendra un peu plus tard. Et évidemment, le maquillage, zone essentielle avant d'aller à l'émission. D'ailleurs, Xavier Chen, Alex Teclac et Benoît Tanz passent sous les mains d'Ariane. Et ouais, obligatoire. Petit aperçu du studio avant le début de l'antenne, avec l'équipe en train de préparer les derniers réglages. Voilà, pendant l'antenne, et qu'on compare les concentrations. Ouais, ça fait évidemment une grosse différence, mais il y a aussi une question de régularité. Emery n'est pas là. Et voilà la régie pendant les analyses avec les consultants qui préparent les analyses et les deltas. Et voilà le studio pendant les matchs avec Marc et notre cadreur Blacky qui profite du match sur un écran géant. Pur bonheur. Et voilà, émission finie. Après 3 heures d'antenne, émission terminée. Quoi ? Je crois que Liverpool va gagner la Champions League. Comment ? Liverpool va gagner la Champions League. Et on raccroche. Voilà, c'est tout pour cette visite guidée des backstage du multi-live. J'espère que ça vous a plu, de savoir un peu comment on travaille ici chez Proximus pour vous faire une belle antenne. Et à dans quelques semaines pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Une visite guidée un peu spéciale. En tout cas, ce 14e épisode de Flashback est terminé. Merci en tout cas de nous avoir suivis toute la saison. On se retrouve pour la finale. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.